En dehors des constructions de logements qui restent évidemment l'élément phare et principal qui va permettre d'obtenir beaucoup de logements et le plus rapidement possible, il y a des petites mesures qui font partie de notre plan d'urgence qui sont fondamentales. Donc une des premières mesures qui peut se faire en quelques jours, c'est de modifier les plafonds de l'ANL. Exemple, on a un deux pièces aujourd'hui, pour louer un deux pièces, il faut compter sur le marché entre 4 500 et 5 000 euros, les plafonds de l'ANL sont à 3 500. Il faut rattraper cette différence. Même si ça coûte un petit peu d'argent, pendant une période donnée, tant qu'il y aura la crise, il faut que les plafonds de l'ANL soient revus. Autre exemple aussi, toujours par rapport à ces prix dans le privé, qui ne permettent plus à des monégasques, malgré l'ANL, de se loger. Nous, ce qu'on demande, pour les monégasques, c'est que l'État prenne en charge les 3 mois de caution et les 10% de frais d'agence. Tant qu'il y a la crise, il faut qu'il y ait des mesures exceptionnelles. Ça aussi, c'est facile à mettre en place, un arrêté ministériel, et ça démarre. Autre idée qui était énoncée pendant la campagne électorale, qui est une idée importante parce qu'on va pouvoir libérer bon nombre de grands appartements, c'est ce qu'on a évoqué sous le nom de la mobilité dans les domaines. L'idée est de remettre sur le marché des appartements qui étaient à l'époque occupés par des familles nombreuses, dont les enfants sont partis du domicile. Ces gens-là vont lâcher l'appartement pour libérer donc un appartement et eux iront dans un nouvel appartement, plus petit, plus moderne. Par contre, ça peut se faire que si on respecte 4 critères. Le premier, c'est le prix, à savoir que la personne qui va lâcher un appartement ancien avec 4-5 pièces, il faudra que la personne puisse se reloger dans un logement plus petit, mais au même prix. Deuxième critère, c'est le choix. Ça, c'est nouveau aussi dans l'administration. Il faut que notre gouvernement y comprenne que pour que quelqu'un soit motivé à bouger d'un logement vers un autre, pour permettre à la communauté de bénéficier, de conserver un appartement plus grand dans le parc et le remettre en service, il faut que le gouvernement comprenne que la motivation, elle passera aussi par la possibilité pour la personne qui quitterait ce grand appartement de choisir là où elle va aller. Troisième point qui est important pour nous aussi, il faut que la personne soit accompagnée. Il y a des critères qui sont des petites choses pratiques, le déménagement, les contrats d'électricité. Dans ce cadre-là de la mobilité, il faut pouvoir aussi proposer l'obtention d'une pièce supplémentaire pour accueillir notamment les petits-enfants.